2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe, aussi loin que vous comptiez, jusque un Googleplex, tri 3, sur cette ligne représentant tous les nombres de 0 à l'infini, peu importe aussi loin que vous comptiez, jusque tri 3, exposant le nombre de grammes factoriels, vous vous trouverez à peu près ici, oui, car l'infini, c'est tellement grand que rien, je dis bien rien, ne peut même espérer atteindre 0,00000001% de sa valeur totale. Oui, ça c'est l'infini. Et ça aussi c'est l'infini. Et en réalité, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons de représenter l'infini. Car oui, en maths, il existe plusieurs infinis. Mais ne vous inquiétez pas, ça ce sera l'objet de la prochaine vidéo qui sort très bientôt. Nous, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'infini absolu, le seul et l'unique, et l'un des plus beaux concepts des mathématiques. Je tiens à vous prévenir tout de suite avant que la vidéo ne commence. Aujourd'hui, nous n'allons parler d'aucune formule, d'aucun théorème, d'aucune expression, rien de plus qu'un simple symbole. Et bien que techniquement cette vidéo soit tout public, elle risque de vous retourner la tête. Car aujourd'hui, nous allons parler de l'infini. Salutations à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le programme que vous êtes en train de regarder fait directement écho à cette vidéo sortie précédemment sur ma chaîne et qui vous présente de façon non exhaustive tous les nombres partant de 0 jusque l'infini. Donc après vous avoir présenté tous les nombres de 0 à l'infini, aujourd'hui je vais m'atteler à la tâche de vous présenter ce concept ubuesque qu'est l'infini. Bref, j'espère que cette petite trilogie vous plaira. Sinon, vous, oui, vous, derrière votre écran, à quoi pensez-vous? Peut-être que vous hésitez entre vous abonner et laisser un j'aime? Bon, pas besoin d'être aussi indécis, vous pouvez faire les deux. Mais blague à part, en tout cas, je pense que vous pensez à une chose, à une question. Qu'est-ce que réellement l'infini? Oui, cette question est plutôt légitime par rapport au sujet de la vidéo. Parce que oui, quand on y pense, ce concept est plutôt étrange. J'ai dû prononcer ce mot une dizaine de fois depuis le début de la vidéo, mais en attendant, ce terme n'en reste pas moins qu'un concept qui vous est inimaginable, une étiquette presque pour tout, que l'on aime à poser sur ce que l'on ne sait pas dénombrer, ou bien même un but, inatteignable, presque mystique, qui donnerait un semblant de sens à toutes ces fois où l'on a commencé à compter dans le vide. Tiens, le vide, une notion qu'on reprendra plus tard. Mais qu'est-ce que réellement l'infini? Car en ce lundi 15 avril 2024, si je cherche la définition de l'infini dans le Robert, je lis « En quoi on ne peut observer ni concevoir aucune limite ». Ah, cette définition me laisse quand même de marbre. Car après cette lecture, je n'ai pas l'impression d'avoir apprivoisé ce concept plus que ça. Et en outre, l'infini ce n'est pas un simple nombre, comme 3 ou 4. Atteindre sa grandeur n'est pas une question de temps. Il ne suffit pas de compter en espérant l'atteindre un jour. Pour atteindre l'infini, c'est une question de rigueur, de concentration, mais également de recul d'esprit. Enfin, face à cette prise de conscience de la difficulté de la tâche qui est d'entreprendre l'infini, me vient alors une question. Si pour nous, bénéficiant de vivre dans une époque où les sciences sont à leur paroxysme et où Internet est source de tout savoir, comment se fait-il que les esprits des premiers mathématiciens, eux, aient réussi à cette tâche? Comment se fait-il qu'ils aient réussi à imaginer l'infini, à poser un mot sur ce concept, et pour certains même, à travailler avec? En d'autres termes, il va nous falloir nous demander comment ces esprits anciens ont pu, en partant d'un 1 fini, arriver à l'infini. Certes, l'idée de l'infini remonte à la nuit des temps, car tout homme s'est déjà demandé à quelle distance sont les étoiles, et si jamais il était possible d'atteindre ces étoiles que l'on voit dans le ciel. Et même, qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à les atteindre et qu'on décidait d'aller plus loin? À quelle distance pourrions-nous aller? Et si nous allions plus loin encore, où serions-nous à ce moment-là?
Et en réalité, y a-t-il une limite à ce raisonnement? Une limite à cette distance? Une distance maximale où se finit l'univers? Ou alors, serait-il infini? En outre, ce concept, bien que ancré inconsciemment dans l'esprit de la majeure partie des gens, ne s'est développé que grâce aux philosophes grecs tels que Parménide ou encore Aristote. De plus, avec Aristote et Zénon d'Élée, une idée plus concrète de l'infini a pu voir le jour grâce à l'idée de divisibilité sans limite de la matière. En fin de compte, c'est au fil des siècles et en jouant et en manipulant avec ce concept que l'on a réussi à mieux l'entreprendre. Nonobstant, qu'en est-il de sa mathématisation? Car si au Moyen-Âge, des penseurs comme Thomas d'Aquin ont abordé l'infini de manière plus frontale, en se demandant si ce dernier pouvait exister dans la réalité physique, il faudra attendre le XVIIe siècle pour que l'infini soit traité de manière plus rigoureuse et plus formelle. Effectivement, croyez-moi ou pas, il faut quand même sacrément d'audace pour affronter l'infini comme si ce n'était qu'un vulgaire symbole mathématique. Alors, c'est entre autres en 1655 avec les travaux de John Wallis, un mathématicien anglais, que la notation telle que vous la connaissez de l'infini va être introduite, et ce pour les calculs de séries infinies. Un siècle plus tard, cette notation déjà bien ancrée dans les mathématiques, le mathématicien Leonhard Euler avancera sa compréhension. Mais cette fois-ci non pas pour calculer des sommes infiniment grandes, mais plutôt pour aller explorer l'infiniment petit avec le calcul différentiel. Bref, à partir de là, c'est l'explosion. Soit avec les séries infinies convergentes de notre cher Leonhard, ou alors en théorie des parallèles, ou en calcul de limites. L'infini commence à prendre sa place dans un petit peu toutes les branches des mathématiques. Cependant, si ici l'infini semble être un concept compris par la sphère mathématique, ce symbole qui cache bien son jeu va prendre une toute autre dimension au 19e siècle grâce aux travaux révolutionnaires de George Cantor. Et je pense ici à la formalisation de la théorie des ensembles et à l'introduction des concepts de cardinalité d'ordre infini. Bref, si cette ébauche de retranscription historique ne vous permet pas à vous personnellement de mieux comprendre ce qu'est l'infini, j'ose espérer que vous en comprendrez mieux à présent son histoire. Car oui, son histoire est très importante, car celle-ci donne du sens à l'infini, et il est toujours bon de travailler sur des choses qui nous semblent utiles. Toutefois, si ce concept garde toujours son aspect mystique mentionné dans l'introduction de la vidéo, nous comprenons ici que l'infini est là pour recouvrir les vides de nos questions souvent trop ambitieuses, qui n'ont pas su trouver de réponse. En outre, qu'est-ce que l'infini? Est-ce la limite de cette fonction, le résultat de cette somme ou bien même le cardinal de cet ensemble? Eh bien, c'est un petit peu de tout ça en même temps. Imaginez, si vous le voulez bien, un univers de nombres sans fin, s'étendant à perte de vue dans toutes les directions. Chaque nombre, chaque ensemble, chaque série est une pièce de ce puzzle infini qui compose la toile de l'existence mathématique. Mais dans cet océan de possibilités, une question persiste. Pouvons-nous vraiment comprendre l'infini? Ou est-il destiné à rester un horizon lointain, un rêve inaccessible pour nos esprits, quant à eux, finis? Face à ce problème, mon choix est de me pencher du côté de la physique. Car dans le monde de la physique, l'infini se cache derrière chaque équation, chaque modèle et chaque théorie. De la singularité des trous noirs à l'expansion de l'univers, l'infini se manifeste. Il nous rappelle que notre compréhension du cosmos est, en fin de compte, limitée par les frontières de notre propre pensée. Dans cet univers infini, tout devient possible. L'infini nous rappelle que même dans le néant, il y a de la lumière, de la vie, de la beauté. Et ainsi, alors que nous contemplons les étoiles dans le ciel nocturne, rappelons-nous que même si nous ne pouvons pas pleinement saisir son essence, nous pouvons toujours nous en inspirer. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, attendez un petit peu, laissez-moi vous expliquer autrement. Pourquoi jouez-vous aux jeux vidéo? Certes, peut-être pour sa beauté, peut-être également pour vous divertir, pour vous amuser entre amis, mais indéniablement, vous jouez aux jeux vidéo dans le but primaire de finir ce dernier. «
Quand vous faites une tâche au quotidien, le but avant tout, c'est de finir cette tâche. Quand vous aspirez votre salon, rien de plus lucratif et satisfaisant que de voir la mission finie et accomplie. Enfin bref, vous voyez ce sentiment. Ce sentiment fondamental chez l'homme qui nous pousse à finir ce que l'on a commencé et qui est à l'origine de pas mal de nos angoisses, de nos peurs, de nos joies, de nos euphories, mais également qui est la source de toutes nos motivations et déterminations. Si ce sentiment est ce qui pousse la plupart de nous à nous lever le matin, en mathématiques, bien que les émotions se fassent rares, je n'ai pas l'impression d'avoir ressenti ce sentiment « j'ai beau compter, compter sans jamais m'arrêter, et pourtant j'ai l'impression que la fin est de plus en plus longue ». Alors au final, à quoi bon ? À quoi bon aspirer à aspirer une pièce à jamais remplie de sa poussière ? Commencer un jeu vidéo infinissable, ou commencer un film dont on ne verra jamais les crédits de fin ? Mais détrompez-vous, car la beauté de ce sentiment réside au final dans les mathématiques en cela. Et oui, je ne lance pas forcément toutes mes parties de Minecraft dans le but de battre l'Ender Dragon. Et quand je commence un film, ce n'est pas dans l'unique but de voir les crédits de fin. Mais plutôt pour être sublimé par les images et la narration de ce dernier. Car en réalité, quand j'accomplis une tâche, le meilleur sentiment ce n'est pas l'accomplissement, mais la progression. Et un aventurier qui part en voyage ne part pas dans l'optique d'atteindre sa destination ni de voir de nouveaux paysages, mais plutôt dans l'optique d'avoir de nouveaux yeux. Car oui, l'infini est là, certes inatteignable, inaccessible, et c'est ce qui en fait tout son charme, sa beauté, mais également son utilité. Et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, en maths, quand on part de 1 vers l'infini, c'est bien ce qu'il y a entre les deux qui compte véritablement. Alors oui, tout ça c'est beau. Que ce soit sa practicité, sa beauté, son histoire, l'infini a des choses à nous dire. Mais malgré tout cela, il y a quelque chose qui cloche. Et pour savoir cela, une seule option, activer la cloche. Alors, on se retrouve très bientôt pour la suite et fin de notre périple vers l'infini. Merci d'avoir regardé la vidéo, et en attendant la prochaine, n'hésitez pas à cliquer sur les deux autres qui s'affichent à l'écran.